Wow. Madame et monsieur, bonjour et bienvenue sur Yansoban. En dessous de cette vidéo, si tu t'abonnes, clique sur la suite, abonne-toi. Active également la cloche, ne pas manquer nos prochaines vidéos. Voici ce que les démons disent au travers de ce témoignage qui se trouve même sur la chaîne Yansoban. Un témoignage de Linda Garoja. Cherche ça, c'est ma Linda. Écris Linda dans la barre de recherche, dans la partie recherche de la chaîne YouTube et vous verrez. Cette femme a fait ce témoignage et ce qu'elle va dire, ce qu'elle va raconter, va sûrement vous étonner. Nous allons tout simplement vous dire quelque chose qui nous a intrigué. Le problème est que, ici, les démons eux-mêmes racontent des trucs sur l'homme. Ils disent que les hommes aiment l'enfer, les hommes aiment l'enfer. Qui vont tous venir à l'enfer. Ah, comment les hommes aiment-ils l'enfer? Écoutons son témoignage. Quand elle est arrivée à l'enfer, je vais sauter, hein. Quand elle est arrivée à l'enfer, un bref résumé, elle était, à un moment donné, elle était maintenant torturée. Torturée par qui? Des démons. Et les démons, avant de la torturer, lui disent clairement ce pourquoi il la torture. Ils vont commencer par où? Sa tête, ses cheveux, jusqu'à ses orteils. À ses orteils, mes frères et sœurs. Et voici ce qu'ils disent à chaque fois quand ils arrivent au niveau de ses cheveux. Ils regardent ses cheveux, ils disent, mais il y a des mèches. Nous allons te torturer aujourd'hui à cause des mèches qui se trouvent sur tes cheveux. On dit, mais pourquoi? C'est normal, non? Elle dit, c'est normal. Il dit, c'est normal. Tu ne sais pas que c'est interdit. Tu ne dois pas porter de ce genre de choses. On la torture à cause de ses cheveux. Nous avons expliqué ici pourquoi les cheveux, les mèches, voilà. Pourquoi les mèches? On va te torturer à cause de tes mèches. Pourquoi les mèches ont des conséquences graves? Le Seigneur apporte beaucoup de valeur aux cheveux de la femme. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le diable aussi va apporter une certaine valeur aux cheveux de la femme, mais en les détruisant. Je vais vous expliquer comment il fait pour concevoir les mèches en général. Waouh! Quand on vous explique, vous allez sans doute être étonné. Mais ce sont des témoignages que nous avons reçus, qui nous ont nous-mêmes surpris. Mais finalement, quand on a fait des recherches encore approfondies, on a découvert que c'était vrai. Le diable va dans le monde des ténèbres prendre les cheveux des sirènes qui sont morts, chétifs, qui sont malades. C'est leurs mèches, comme elles ont beaucoup de cheveux qui arrivent jusqu'à à leurs pieds. Donc il coupe tout simplement ces cheveux-là. Qui va donner aux satanistes qui travaillent avec lui, qui vont travailler ses cheveux et vendre à tout le monde. Et les femmes vont acheter ces mèches-là pour mettre sur la tête. Voici les raisons pour lesquelles les gens sont torturés. Le diable les torture à chaque fois. Et ajouté à cela, les démons, quand il la torture, cette femme qui arrive à l'enfer, ils lui disent, vous les hommes, vous allez tous venir à l'enfer ici. C'est ce qu'ils disent, hein? Les démons sont en train de parler. Ils disent, vous les hommes, là, vous allez tous venir en enfer. Vous aimez l'enfer. Vous aimez tout ce qui est dans ce monde. Nous vous séduisons avec tout ce qui est dans ce monde, toutes ces choses qu'on invente. Pour vous distraire, vous allez venir ici. Ils sont allés maintenant dans sa partie intime. On dit, ils lui disent, maintenant on va t'attaquer à ta partie intime. Nous allons te torturer dans la partie intime et nous allons te dire pourquoi. Elle dit, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ma partie intime a fait? Et les démons disent, ah, donc tu ne sais pas. Tu ne sais pas que le sexe appartient aux hommes mariés, aux personnes mariées? Toi, tu n'es pas marié, tu connais le sexe. Nous allons te torturer ici aujourd'hui. Vous les hommes, vous aimez le sexe. Les démons qui parlent ici, hein? Vous les hommes, vous aimez le sexe. Que vous allez venir à l'enfer ici à cause du sexe. Vous aimez ça, non? Tu n'as pas dit que tu aimes jouer aujourd'hui là. Et regardez ce qui s'est passé. Ils ont pris un long fer pointu, brûlant, qu'ils ont mis tout simplement dans sa partie intime. Une femme qui est arrivée, rentrée dans son ventre, qu'ils ont tiré ensuite son intestin, tout ça là-dedans. Mais
Comme c'est un enfer, elle ne peut pas mourir. Les démons qui disent à chaque fois que nous allons vous torturer à cause de tout ce que vous faites, parce que vous, les hommes, vous aimez l'enfer. Et effectivement, mais est-ce qu'ils ont, ils ont tort? Ils ont raison. Beaucoup de personnes vont à l'enfer à cause de quoi? Du sexe, de la musique. Et c'est pas tout. Les gens aiment beaucoup la musique du monde. Ils aiment plus Dieu. C'est à cause de ces choses que les démons disent. Vous allez tous venir à l'enfer. Vous les hommes, vous aimez l'enfer. Tu n'aimes pas la musique de Dieu. Quand on te parle de belles vertus, tu n'aimes pas. Tu aimes la boisson. Tu aimes te saouler. Pour toi, c'est le show. C'est une manière de montrer à tout le monde que tu es fort. Non. À l'enfer, les démons torturent les gens. Sérieusement, à l'heure où je vous parle, ils torturent les gens là-bas, sérieusement, à cause de quoi? La boisson. Et là-bas, ce n'est pas une boisson que vous allez boire. C'est de l'alcool que vous devez boire en permanence. Mes frères et sœurs, c'est grave. Ce dont nous sommes en train de vous parler est grave. Quand les démons eux-mêmes prennent la parole pour dire que les hommes aiment l'enfer, ils vont tous venir à l'enfer, c'est que c'est sérieux. C'est que vraiment, l'homme a dépassé un niveau tel que le diable lui-même, il prend la parole pour dire à Dieu que ceux-là, je leur fais confiance, ils vont m'adorer assurément. Il met à défi, mais défie Dieu. Et le diable te défie ce soir, les démons te défient pour te dire, toi, tu vas aller là-bas à l'enfer. Pourquoi? Il dit ça. Parce que tu es attaché aux choses de ce monde. Tu es encore dans le monde. Tu es encore dans la boisson, la cigarette. La cigarette, la boisson, l'alcool, ça te prépare un chemin propre et bien, bien ouvert pour aller directement à l'enfer. Pourquoi? Parce que à l'enfer, il y a plusieurs compartiments, plusieurs départements. Et les démons, ils sanctionnent, ils attaquent, ils corrigent ou encore ils torturent les gens en se basant sur quoi? Leur péché. Ça veut dire quoi? Ce que tu fais sur la terre, si tu ne bois pas et tu continues à boire, que tu es mort dans ça, tu arrives là-bas, tu vas continuer non seulement à boire, mais ce sera de l'acide. En plus, les démons vont te torturer. Et ça sera en permanence, éternellement. Pourquoi? Parce que l'homme ne meurt pas. Vous voyez? Parce que c'est l'âme qui sera là-bas. Oh, mes frères et sœurs, je vous conseille, je vous recommande Jésus. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Débarrassez de tout ce qui ne couvre pas le nom de Dieu. La masturbation! Toi, mon frère, ma soeur, si je t'en prie à cause du Seigneur, sors de ces choses. La masturbation, la pornographie, je suis désolé de te le dire, ce sont des choses qui conduisent les gens, beaucoup d'hommes à l'enfer. La musique, oh, la musique où on ne parle pas du Seigneur. Oh, mes frères et soeurs, les démons parlent pour dire que les hommes font venir à l'enfer parce qu'ils aiment l'enfer. Quand j'ai écouté le témoignage de ce sataniste qui a dit que dans le monde des ténèbres, il a vu un musicien, un chanteur, qui est en train d'avaler un serpent à deux têtes. Et quand il chante, il y a deux voix derrière sa voix. Et ces deux voix-là, ce sont des voix des démons, là, de ces serpents-là. Et tout le monde chante ça. Dès que l'on se met à chanter cette chanson, les démons viennent où? Ils entrent dans la maison des gens directement. Tu as dit, mais c'est impossible parce que 1 plus 1 est égal à 2. Donc, c'est pas possible que... Faut discuter. C'est une histoire d'esprit. Dans le monde des esprits, tout est réel. Je vais te poser une seule question. Est-ce que tu as la possibilité... N'as-tu pas la possibilité d'imaginer tout ce que tu veux dans ta pensée? Même l'impossible. C'est de la même manière que j'ai la possibilité d'inventer tout ce que tu veux dans ta pensée. C'est de la même manière que ces choses sont réelles. Vois ça comme ça. Simplement. Oh, mon frère. Oh, ma soeur. Ne perds pas ton âme à cause de ces choses vaines. Reviens au Seigneur Jésus-Christ qui va t'aider. Que Dieu te bénisse. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Sinon, serait bonne. N'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche, de laisser un like et de partager cette vidéo à tous tes amis, à tous tes frères, afin qu'ils parviennent à la connaissance et que leur âme puisse être sauvée, afin de pouvoir vaincre les démons qui ont dit ça
Il faut les défier en acceptant Jésus-Christ aujourd'hui. Dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie, entre dans ma vie, et que ton esprit soit sur moi pour me guider, pour me protéger. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo sur Nuance Reborn. Abonnez-vous s'il vous plaît et laissez un like pour nous faire savoir combien de fois vous avez été touché ou avez compris ce message. À bientôt.